Loin de tout, au bout du monde, le cap de Bonne-Espérance. Morceau de paradis pour les Hollandais qui débarquent au XVIIe siècle, cette terre d'accueil devient du même coup une terre de souffrance pour les peuples qui y vivent. Les Français rejoignent bientôt la colonie du Cap. Ce sont des protestants qui fuient les persécutions en Europe. Deux siècles plus tard, l'Angleterre s'impose dans la région. Plutôt traverser pieds nus la chaîne des Drakensberg que de se soumettre aux Anglais. C'est sur ce mot d'ordre que les colons partent avec leurs troupeaux et leurs esclaves conquérir les nouvelles terres vers le nord. C'est le Grand Trek, l'épopée fondatrice du peuple africaner. De sanglantes batailles contre les Zoulous ponctuent leur avancée dans le pays. Les nouvelles terres sont chargées d'or et de diamants. L'exploitation des Noirs dans les mines permet d'extraire toutes ces richesses. Alors la République du Transvaal promulgue les premières lois racistes. L'article 9 de la Constitution stipule « La nation ne reconnaît aucune égalité entre les Blancs et les Indigènes ». La richesse minière attire bien vite les Anglais et c'est le deuxième face-à-face anglo-bourg. Cette fois, les Afrikaners se battent. Mais les Anglais seront les vainqueurs. Ils inventent le fil de fer barbelé et les camps de concentration dans lesquels mourront plus de 22 000 enfants. Cette tranche d'histoire ancre définitivement la haine des Anglais dans la mémoire des bourgs. Pour ne pas être rabaissés au niveau des Noirs, les vaincus doivent accepter de collaborer avec l'Empire britannique. C'est la création de l'Union sud-africaine rattachée au Commonwealth. Le nouvel État conserve les lois racistes. En réaction, un mouvement non-violent inspiré par la philosophie de Gandhi voit le jour. C'est l'ANC, le Congrès National Africain, qui revendique une société unie et non raciale. Les lois racistes sortent de plus belle. Classement racial de la population et création des Bantoustans, ces réserves noires cantonnées sur 7% du territoire. L'ultime limite raciste est franchie lors de l'accession du Parti National au pouvoir par la proclamation de l'apartheid comme système constitutionnel. On impose aux Noirs un passeport intérieur pour contrôler le moindre de leurs déplacements. On crée les townships, des ghettos bien séparés des villes blanches. On invente une éducation au rabais pour les jeunes Noirs. À ce racisme d'État répond un immense mouvement de résistance non violente. En retour, c'est la répression. Plus d'un million et demi de Noirs sont arrêtés entre 1950 et 1960. À Sharpeville, 15 000 manifestants pacifiques se mobilisent contre les passeports intérieurs. La police fait feu, 250 blessés, 69 morts. Pretoria interdit l'ANC et le Congrès panafricain, le PAC. Le Parti communiste, lui, est déjà interdit depuis 10 ans. Des milliers de militants anti-apartheid sont contraints à l'exil. L'ANC, après 50 ans de non-violence, décide de passer à la lutte armée. Nelson Mandela et d'autres leaders de l'ANC sont arrêtés. Ils échappent de peu à la peine capitale et sont transférés au bagne de Robben Island à perpétuité. L'ordre règne. L'Afrique du Sud est en pleine croissance économique, une croissance basée sur la ségrégation. Un ouvrier noir travaille 15 heures de plus par semaine qu'un ouvrier blanc, pour un salaire 16 fois inférieur. Le 16 juin 1976, les écoliers de Soweto manifestent contre l'obligation d'apprendre l'Afrikaans, la langue des Afrikaners. La police tire sans sommation. Il y a 23 morts. Cette image fera le tour du monde.
Il s'appelle Hector Peterson, il avait 13 ans. Il reste le symbole de l'enfance assassinée. 8 mois d'émeute feront suite à ce massacre. C'est le début d'une longue période de boycott scolaire. En réponse à cette violence, la communauté internationale isole l'Afrique du Sud par une série de sanctions économiques, culturelles et sportives. Pretoria encaisse durement cet isolement, notamment sur le plan financier. Le président Peter Botha décide d'alléger le système légal d'apartheid. Il instaure une nouvelle constitution qui donne le droit de vote et une représentation parlementaire aux Indiens et aux Métis. Les Noirs sont toujours exclus. Les années 80 signent le déclin économique de l'Afrique du Sud. Il n'y a plus de capitaux, le prix de l'or s'effondre. Les grèves des mineurs paralysent les mines. L'apartheid coûte cher aux Blancs. Les toy-toy, ces marches de guérilla, se multiplient dans tout le pays. C'est l'état d'urgence, les pleins pouvoirs sont donnés aux forces de sécurité, des milliers de Noirs payent de leur vie cette résistance. Les Blancs sont de plus en plus divisés, les hommes d'affaires réclament un allègement de ce système qui les met au banc de l'humanité. Le système raciste est aux abois. Frédéric de Klerk succède à Peter Botha. Son discours du 2 février 1990 surprend tout le monde. L'ANC, le Parti communiste et le PAC sont de nouveau autorisés. De Klerk se dit prêt à négocier. Le 11 février, Nelson Mandela, le plus ancien prisonnier politique du monde, est libéré du bagne. Un militant y était entré, un mythe en ressort. Il continue le combat pour lequel il a passé 27 années en prison. What must be passing through Mr. Mandela's mind at this moment? We call for a multi-party system, regular elections, and an economic system which will promote the welfare of everybody. L'homme qui négocie aujourd'hui avec le président de Klerk n'a toujours pas le droit de vote à cause de la couleur de sa peau. L'euphorie de 1990 est bien vite retombée au vu de la lenteur des négociations entre l'ANC et le Parti national au pouvoir. Cette nouvelle bataille politique autour d'une table ne comble pas les attentes du peuple sud-africain, impatient d'accéder au statut de citoyen dans son propre pays. It provides the opportunity for another important and constructive step in the irreversible process of normalization. We are, however, explaining that the demands that we're making for democracy, these things are coming, but we're saying to our people, be patient, because they are not going to come on just on the day on which we have gained independence. We will have to reorganize the whole country. And hope that as we are promised that in South Africa blacks and whites will attend in one school. So we wish that it must be mixed, multiracial schools. But I don't know how long we'll be all right, you know. But my children will be all right. We haven't got money. That's why we are staying here. We are 14 in one two-room. What can we do with a two-room? Where's the kitchen? Where's the sleeping room? Or you're 18 in a one-room. What did the poor do? If you doesn't pay this month and next month, the poor come and lock your door, you sleep outside. We are poor, please, in our South Africa. Then they say there's no work for natives. We must go to Mandela. They've got no work for us. You may also do what the white men do. Going in with him in a bar, buy him some drink or something like that. He don't want you even to offer him something. Mm-hmm. So that's not me shows us that apartheid's over. Still apartheid. I mean, if I offer you a drink, you will accept it, isn't so? Not this of here. Africans, oh no. Still, you know, we are still in the oppression side, you know. That's the whole story. Black and white still stay separate. And then in the workplaces, we still work the same way we used to work before.
and schools still the same education we used to receive. I mean, like when you are standing here for the queues, you won't see a white person standing like this on the queues waiting for taxis. I mean, they are privileged more than us blacks. Yeah, that's why I'm saying it's not yet the end of apartheid. Rayé d'un trait de plume, l'apartheid n'en a pas moins profondément marqué l'espace. Il faut toujours subir ces heures de transport entre la ville et le township, franchir cette barrière quotidienne entre les deux mondes. Un siècle de ségrégation a aussi marqué les esprits. Comme le disait Verwoerd, le théoricien de l'apartheid, les écoles ont été organisées de façon à ce que les indigènes comprennent qu'ils sont la main-d'œuvre de ce pays. L'ancien régime consacrait un budget 18 fois moins important à l'écolier noir qu'à l'écolier blanc, ce qui explique qu'aujourd'hui la moitié de la population noire est analphabète. Bien que la différence ne soit plus que de 1 à 4 aujourd'hui, la loi sur l'éducation séparée est toujours en place, avec ses 17 ministres de l'éducation, un pour chaque race, un pour chaque ethnie. Successive governments before apartheid never even provided education for the black people. The apartheid, it's ironical that the apartheid government actually was the first government that started providing education from government side. For black people, they made many mistakes. But I just wanted to say that to put the situation into context, because it's easy to blame everything on apartheid. But for 300 years before apartheid, I think the black people were neglected. Les classes noires sont surchargées, avec un professeur pour 40 à 50 élèves, tandis que les effectifs baissent dans la population blanche, avec un professeur pour 17 élèves. Mais rien n'est fait pour rééquilibrer les chances des écoliers. What they should do is to second those teachers of the Department of Education and Training for the teaching of the black child. But because the apartheid mentality is embedded on the white teachers, many of them would refuse to go to black areas. And then the government has opted for a payout or early retirement packages for them so that they are comfortable. Deuxième symbole d'un apartheid persistant, la terre. La domination blanche s'exerce fortement dans le secteur agricole car au fil des décennies de dépossession, les Noirs ont perdu leur savoir-faire paysan. Les ouvriers agricoles sont encore payables en nature et corvéables à merci, entièrement soumis aux grands propriétaires blancs. Si les lois de l'apartheid sur la propriété de la terre ont été abrogées en 1991, 85% du territoire sud-africain reste entre les mains des 5 millions de blancs. Les bantoustans non plus ne sont pas démantelés. Les 10 réserves noires, créées pour parquer la population par ethnie, sont dispersés en confettis sur l'ensemble du territoire sud-africain en fonction de l'absence de ressources naturelles. Plus de la moitié des 30 millions de Noirs vivent dans ces réserves, administrées par des gouvernements fantoches à la solde de Pretoria. Certains sont prêts à renoncer à leur pseudo-autonomie et se rallient à l'ANC. D'autres, notamment le premier ministre du KwaZulu, Buthelezi, ou le président Mangope du Botswana, s'accrochent au pouvoir que l'apartheid leur a octroyé. Le Botswana joue le rôle d'un Las Vegas pour la bourgeoisie de Pretoria et de Johannesburg. Les casinos sont théoriquement interdits en Afrique du Sud, mais ici, on fait semblant d'être à l'étranger. En plein désert, la cité de rêve de Sun City vient de s'adjoindre les charmes d'une cité perdue, un parc d'attractions de près de 2 milliards de francs. À Mabato, la capitale de ce vrai faux pays en 6 morceaux, on s'applique à relire l'histoire pour essayer de conquérir une improbable reconnaissance internationale. Et c'est là qu'on s'aperçoit que même dans la logique de la réserve noire autogouvernée,
les Blancs restent présents pour vérifier que tout roule selon leurs intérêts. In 1977, Boba Ratswana used the apartheid system to regain the independence, to regain the freedom which the British took away from it. Recognition of a country does not determine whether it exists or not, because recognition is a political decision. But I must say that the country does merit recognition, because we have met all the criteria for that are applicable for international recognition. And we fail to understand why the world cannot recognize us. We are politically performing much better and more democratic than most countries that are having international recognition right now. Le Bophuthatswana est aussi l'une des régions du monde les plus performantes en matière de violation des droits de l'homme. Les gouvernements des Bantoustans ne sont pas les seuls à regretter le vieil apartheid. Parmi ses ardents défenseurs, Eugène Terre Blanche et son mouvement africanaire d'extrême droite, l'AWB, rêvent de reconquérir les terres de leurs ancêtres confisquées par les Anglais. Pour cela, ils n'hésitent pas à perpétrer des attentats anti-ANC de façon à saboter le processus des négociations. Plus respectable dans sa façon de faire la politique, mais non moins ferme, le Parti conservateur fait une alliance tactique avec ceux des Tswana, des Zoulous et d'autres ethnies qui veulent, comme lui, vivre à part. Crédité de près de 30% des voix blanches, le Parti conservateur refuse toujours de vivre avec des Noirs dans le même pays et demande la constitution d'un pays africanaire blanc, ethniquement pur. The world wanted to define apartheid as racial superiority, a white-black situation, and the one discriminating against the other one, dominating the other one. If that is apartheid, I'm against apartheid, and my party is against apartheid. If that is the right of self-determination, then surely the Palestinians are for apartheid. Then surely the Sikhs in India are for apartheid, or the French people in Quebec at the moment are for apartheid, if that is apartheid. So it's all a matter of definition, what is apartheid, not apartheid. I'm for the right of self-determination, the right to govern myself. I want to get it peacefully. You can call it whatever you want. But I hope to achieve it without going into a Yugoslavian situation that the Croatians had to fight for that. À l'autre bout de l'échiquier politique, le Congrès panafricain, le PAC, veut réserver l'Afrique du Sud aux Africains de pure souche, estimant que les réformes ne leur rendent ni leur terre, ni leur dignité. Plus les négociations ANC-gouvernement s'éternisent, plus la frange jeune et impatiente de l'ANC se rallie à ce nationalisme noir. Ce mouvement d'extrême-gauche a monté une branche armée, l'APLA, qui a perpétré plusieurs attentats anti-blancs à partir de la fin de l'année 1992, mettant ainsi en pratique sa devise « un colon, une balle ». Now what we want to build our own society, you see, as the Africans, and to fight for our land. The land must return to its rightful owner, because we know the rightful owner of this land. Africa for the Africans, Europe for the Europeans, and Asia for the Asians, you see. That's why you said, one bullet, one settler, you see. Any person, you see, black or white, you see. I'm sorry to talk about black and white, because we are in our organization, we're not racist, you see. That person who come with the Western ideas, you see, in Africa, he deserves to find a bullet. Les contradictions politiques sont telles que l'éclatement de l'Afrique du Sud n'est pas exclu. Le Parti communiste, lié à l'ANC, essaie de jouer la carte d'un nouveau consensus. Malgré ce que les monuments laissent entendre, la logique de classe, ouvrier contre patron, n'a jamais marché en Afrique du Sud, car la ségrégation par la couleur a toujours dominé, y compris dans les syndicats. We are not yet one nation because of the past of apartheid. We are a nation in the making. And we believe that we can become a nation, in the true sense of the term, without trampling on the rights of whether it's Afrikaners or English or Zulus or Khoisas, but rather allowing a situation to develop where all these groups can flower, both as groups and as part of a common loyalty and common patriotism. As cold as water pressed,
democratic rights, we shall take to the streets. La recherche de ce nouveau consensus demande la paix. Malheureusement, cette paix est aujourd'hui sabotée par une violence qui sert d'arme politique pour retarder le processus démocratique. Branches armées des mouvements de libération, extrême droite, partis ethniques comme l'Inkatha et forces de l'ordre usent de moyens criminels pour s'imposer. La répression gouvernementale a toujours été impitoyable envers les intellectuels anti-apartheid. Aujourd'hui, ils sont éliminés de façon sélective. Hier, ils étaient massivement emprisonnés et torturés. I spent about 7 years as a political prisoner in Pretoria, in the Pretoria Security Prison. I was charged with spying for the African National Congress on the South African atom bomb program, on the nuclear program. And I then spent about 8 months in solitary confinement being interrogated. And then there was what they call a trial. And then I was in jail for another 6.5 years, which was a terrible time. 2.5 of those years, I was in the death row next to the gallows in Pretoria. They weren't going to hang me, but they just kept us there until they rebuilt another prison. So you would hear the trapdoor slam at 6 o'clock in the morning, and then later the nailing of the coffins. That was terrible. It's an appalling time. Au plus haut niveau de l'État subsiste la stratégie de faire la politique à partir de moyens criminels. Grâce à l'opiniâtreté de certains juges, 22 officiers, dont 6 généraux, ont été révoqués début 1993 pour avoir créé une organisation paramilitaire d'élimination des leaders anti-apartheid, le CCB, le Bureau de coopération civile. Théoriquement dissoute, cette organisation occulte garde à son actif plus de 300 attentats et enlèvements, tous impunis. Ces scandales réguliers, liés aux agissements de l'armée et de la police, ternissent la sincérité du gouvernement de Klerk. We think that there is a definite link between the organs of repression in our country and the South African government. On the one hand, they negotiate with us. On the other hand, there is this policy of repression, the policy of elimination, which comes, it seems, from inside the South African Defence Force and even the South African police. And Mr. de Klerk cannot say that he does not know about it. Constable, we've got Dacha found near a palm tree. This way. Les Blancs ont vite compris que seuls, ils ne pourront pas gagner une bataille sur le plan de la démocratie et des élections. Alors ils ont cherché des alliés dans le secteur de l'opposition africaine. Ils ont trouvé un allié très fort chez les Zoulous, le mouvement Inkatha, qui est plutôt un mouvement ethnique et traditionnaliste et rural. Ils ont donné de l'appui financier et ils ont aussi assuré que l'Inkatha apprendrait
à mener une espèce de guerre de libération semblable à celle de l'ANC, avec beaucoup de violence, beaucoup de sang. Il y a eu à peu près 11 000 morts depuis le février 90. Aux côtés de l'armée et de la police, Linkata a toujours lutté contre l'ANC, non seulement par anticommunisme, mais aussi parce que le gouvernement de Peter Botha l'a financé, armé et entraîné pour cela. Certains ministres de Frédéric de Klerk ont continué à le faire. Armés de sagaies, de fusils, les Zoulous de Linkata attaquent des trains, brûlent des quartiers entiers, tuent sans distinction. Ils n'ont rien à gagner de la démocratie, car leur leader, Boutelesi, n'est crédité que de 9% d'intention de vote. Il est même loin de faire le plein de toutes les voix Zoulous. À Johannesburg, le township d'Alexandra est un exemple de cette violence. 350 000 personnes cohabitent sur 2 km² et des affrontements sanglants entre partisans de Linkata et partisans de l'ANC ponctuent la vie du township. Linkata recrute au sein des hostels ces foyers pour les travailleurs séparés de leur famille, restés dans les Bantoustans. Most of Alexandra is under the influence of the ANC, but there is a small part of Alexandra which is under the influence of the Inkatha Freedom Party. And that includes the area that the hostels are in. There have been many allegations made against both the police and the army of being involved in violence and of causing the violence to take place. There have been cases, we know of cases which are true, and we do not want to do police work. But we cannot train for our primary function as long as this violence continues. The people living in this area were visited by very aggressive men who told them that they must join the Inkatha Freedom Party or else their houses would be burnt down. Now these people were terrified. There were some 350 families who were displaced on that night and in the following week. They left this area in a panic. They flooded into halls and into churches and into offices, and they have been living there ever since. Everybody don't think that the Inkatha party it's a good party because they were killing people. So everybody withdraw from the Inkatha. They try to force our sons, you know, to help them killing people. What I can tell you is that this violence, the police and the government knows about this thing. So what they're trying to do is to say it's war against blacks. See, meanwhile, they know what they are doing behind that. Longtemps cantonnée dans la province du Natal, la violence Inkatha a atteint les townships des autres provinces à partir de 1990, quand l'ANC a repris droit de cité au niveau national, devenant politiquement dangereuse pour le parti de Boutelesi. Le mouvement bénéficie de nombreuses complicités des forces de l'ordre sud-africaines, notamment dans la police, qui trouve son rôle renforcé par l'actuel climat d'insécurité. Les anciennes alliances de l'apartheid ne sont pas mortes. N'est-ce pas, colonel, la police a des liens avec Linkata? Not officially. It could happen that any individual police officer with strong sympathy for Inkatha, but for that matter also towards the right wing, the AWB of Mr. Terblanche, or the Conservative Party, or the HNP, or any other political group, but as a matter of policy, as a matter of procedures within the police, it is totally prohibited for any member of the police to be actively involved in any political organization. As president of the IFP, or Inkatha Freedom Party, I've never decided or sent anyone or been present where a decision was taken to kill anybody. But you see, when the People's War started in the mid-80s, when the ANC was still operating from outside, when they broadcast from Lusaka, for instance, urging young people
to kill all those whom they designated as, quote, collaborators, unquote, which included anyone who didn't support their strategy of violence. That's when this violence started. There are some Inkatha Freedom Party members who are involved in the violence, either because they want to revenge, either because they think they're going to be attacked, who attack, just as they are. I think that is one of the things that makes me very, very sad indeed, because I did not even believe during the height of apartheid that we should take up arms and kill whites who were oppressing us. La stratégie de la tension arrange tous ceux qui, dans le jeu démocratique, sont sûrs d'être minoritaires. Les intentions de vote pour l'ANC, bien que considérablement affaiblies après 3 ans de violence, sont encore majoritaires. On estime que Nelson Mandela recueille 65% des voix de la population noire. Our freedom is at hand. What worries de Klerk is the fact that the ANC might have an overall government in any future elections, and he wants to prevent that. And he, if he has not started the violence, he nevertheless welcomes it because it's going to weaken the African National Congress. And 15,000 people have died up to now since 1984. Those who have been convicted, found guilty, and convicted are less than 20. And we ask why? Because you have got an efficient criminal investigating department. And why is it that they are unable to track down the people responsible for this violence? It is because they welcome the violence, because it serves a purpose. L'apartheid a marqué l'histoire de l'Afrique australe tout entière. La crainte communiste a incité Pretoria à financer les oppositions de droite au régime marxiste d'Angola et du Mozambique. Aujourd'hui, la lutte anticommuniste n'a plus de raison d'être, et le Mozambique s'achemine vers un processus de réconciliation. En revanche, l'UNITA d'Angola a repris les armes, son leader Savimbi n'ayant pas accepté les résultats des élections. Dans la Rhodésie de Ian Smith, l'apartheid a sévi jusqu'en 1980, date à laquelle le Zimbabwe a pris la relève. Ce pays enclavé est devenu pays leader de la ligne de front pour faire le blocus de l'Afrique du Sud. Indépendante depuis 3 ans seulement, la Namibie a connu le joug colonial allemand avant de devenir la 5e province d'Afrique du Sud. Le mouvement de libération de la SWAPO s'est longtemps battu pour l'indépendance de la Namibie avant d'arriver au pouvoir en 1990. La Namibie a connu l'apartheid depuis l'occupation allemande et son expérience récente pour sortir de cette longue histoire peut aujourd'hui servir de laboratoire à la future Afrique du Sud démocratique. There must be political will on all the people of South Africa, white and black and colored and everybody else. There is a need to sacrifice one's plight and work for the common good of all the people of that country. This is precisely what we did here. Today, we enjoy peace and stability, and this is a prerequisite to economic development. When we, at the time of independence, we had such a big problem in restructuring that administration under apartheid. So all this took us only 2 years. Now we have a unified national education system, as well as medical services to all our people, as well as Namibia Defense Force and Namibia Police Force. The integration of Namibian Defense Force, as you have said, I think is one of the examples of forces which have in the past fight each other and now working together. In the beginning it was not so easy, there was small problems and so on, but after a year and so on, I think we have made so much progress. The people work together. For instance, the squad here, there are SWATF and Plant and Kufut and all, and the people work together for one aim, and that is to upgrade the standard of the Defense Force. Left hand! Left eight! So I think if it's going out like this, then Namibia is going, is moving on a very peaceful way. One, 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 one!
Les accords de paix signés le 4 octobre 1992 au Mozambique participent à la stabilisation de la région tout entière. Pays exsangue, qui atteint le triste record d'être le plus pauvre du monde, le Mozambique affiche sa volonté d'en finir avec cette guerre civile qui le ronge depuis 15 ans. Le Frelimo, au pouvoir, doit accepter l'intégration des forces de la RENAMO dans une armée nouvelle qui précédera l'organisation d'élections démocratiques. Eles são guerrilheiros da RENAMO. Nós somos soldados governamentais. Segundo como estão a ver, pela estrada, de onde saíram até onde vão. Estão a ver. Todo o estrago foi deles. Aqui a situação está normalmente. Há dias atrás, estávamos com eles aí, conversámos um bocadinho com eles. Eles disseram que a partir de hoje para diante já não há guerra. Daí dialogamos um bocadinho com eles, acompanhamos eles, iam para este lado, de coisa de Catuane. É. Acompanhamos até ali na estrada, nós voltamos. En attendant, les armes sont revendues en Afrique du Sud, où elles alimentent la guerre politique post-apartheid. Au-delà de l'intégration de l'armée, il faut réussir la réconciliation nationale. La Namibie a gagné son indépendance, dans un contexte international déserté par la guerre froide, et le projet d'une société communiste africaine laisse la place à un pragmatisme d'un genre nouveau. Ce pragmatisme, c'est le partage entre noirs et blancs. Les Blancs ont compris qu'ils pouvaient garder leurs privilèges et le pouvoir économique tout en laissant le pouvoir politique aux Noirs. White people must still be here. Why? Because we blacks are not get more education. Mais ceux qui ont combattu, les militants de la SWAPO, se trouvent dépossédés de leurs rêves. Ils disent qu'ils se sont battus pour la libération, pas pour la démocratie. My government is not a black-mailed government, as the white man will think for himself and say, as they have already said before independence. En Namibie, les industries du diamant ou de l'élevage bovin restent entre les mains des Blancs. Les anciens colons allemands se partagent l'essentiel des terres, avec des ranchs de 7000 hectares en moyenne, tandis que les paysans Ovambo vivent avec 4 hectares par famille. Alors les pasteurs noirs n'ont plus que la bordure des routes pour faire paître leurs troupeaux entre les barbelés et le goudron. Le rêve déçu d'une réforme agraire n'est pas l'apanage de la Namibie. Les paysans du Zimbabwe attendent eux aussi, et cela fait 13 ans. Bien que de nombreux fermiers blancs aient quitté la Rhodésie lorsque Jan Smith a perdu le pouvoir, à peine 6% des terres ont été redistribuées, et selon des critères souvent empreints de clientélisme gouvernemental. White people, he got many lands, but black people, nothing lands. 1,000 people to 1,000 acres, but 1,000 white people, 20,000 acres. That is bad. White people and black people, we must work together. Just because country is any people.
L'Afrique du Sud connaît aujourd'hui la période la plus difficile pour son économie. Les sanctions internationales ne sont pas étrangères à cette situation. Elles ont efficacement complété la lutte politique. Les sanctions financières ont conduit à des pertes considérables en capitaux au cours des 10 dernières années. Le chômage affecte plus de la moitié de la population. La croissance n'est que de 1,5% par an, avec un accroissement démographique de plus de 2,5%. Cela signifie que depuis 1980, le revenu moyen n'a cessé de décliner. And we have suffered inflation also in consequence. Here is the entire period since 1985, and there has been, with the exception of two or three quarters, every quarter, South Africa has lost capital, very, very large amounts of money. And to compensate for this, during this entire period, South Africa has run very great trade surpluses, unique, you may say, because very few countries in this world, except Japan and Korea and perhaps Germany and France, run trade surpluses. But South Africa has run trade surplus all the time. The reason why this is not a success or reflections of success is because it has meant we have had to cut the consumption domestically in order to have more for exports. That is what has sharpened perhaps the political tensions in the country. And we have to address this. And no one wants political warfare. What we want here is improvements in well-being of everybody in this country. Améliorer le bien-être de tous, c'est à la fois redresser l'économie et créer de nouveaux liens entre patrons et employés. C'est le secteur phare de l'Afrique du Sud, la production minière, qui donne le ton. La plus vieille industrie du pays emploie plus de 720 000 mineurs dans un contexte économique difficile. Les cours de l'or diminuent sur le marché mondial et les rendements des mines baissent, passant de 5 grammes d'or par tonne de roche extraite à 3,5 grammes. Le pays, qui pèse la moitié de l'or du monde, a un urgent besoin d'en finir avec l'apartheid pour maintenir sa rentabilité. The most important areas in which the change is taking place is in the way in which we are managing our people. And I think that is the exciting area. Over the years, the trade unions and management have been very adversarial and seen themselves in different camps. But because of the problems we're facing, we suddenly find that we have a common enemy. And the common enemy then is the low gold price and the difficulties of the industry. And that means then we've looked at ways of accommodating each other's interests and coming to terms with those problems together. By 1990, in July, we went into an illegal strike, fighting for the recognition of the National Union of Mine Workers in this union, in this mine. And we were very successful because all these seven shafts came to stand still. Then they recognized our union. It is a sign of the new coming South Africa. Yes, I think that we've always regarded the system of apartheid not only as being morally wrong, but also economically wrong and economically unsound. This country would be a lot better off if we had not had apartheid. And so we've been trying to find, on commercial grounds, relationships with small black companies, largely black companies, who will do a lot of the contracting for us, in other words, supplying our needs in a wide range of products and services. We're going to be absorbed in our own affairs to quite a considerable extent. But we will have a capacity to trade, to a more limited extent, to invest in the rest of the continent.
given the fact that we are moving out of a period of relatively isolation, not only on the part of South Africa, but also on the part of the rest of Africa who has been isolated from us, we think that we will have to look at future structures for cooperation. I think that we would like to cooperate with the countries of Africa, in the first instance of Southern Africa, but also further afield, in trying to get economic progress, economic growth, as soon as possible. So I don't think, and that is the general feeling in the region, that South Africa doesn't have any resources available to develop the region. And we tend to think that the hope that South Africa will be politically and economically a leading force in the region is just a continuation of old racist prejudice, that it is basically only the whites who can rectify the situation in the whole region. La puissance de l'Afrique du Sud est à double tranchant. Elle peut aider, mais elle peut aussi dominer. Dans un domaine aussi sensible que l'approvisionnement énergétique, le géant sud-africain peut imposer ses délais et ses prix à ses voisins. Le cas du barrage mozambicain de Cahora-Bassa est particulièrement illustratif. Les Portugais l'ont construit pour fournir de l'énergie à l'Afrique du Sud. Mais la ligne haute tension entre le nord du Mozambique et Johannesburg a été sabotée pendant la guerre. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'est pas pressée de faire réparer cette ligne. Elle tient à garder toute maîtrise, même sur ce qui ne lui appartient pas. Le barrage, qui a la capacité de production la plus élevée de tout le continent africain, fonctionne aujourd'hui à 2% de sa capacité, attendant le bon vouloir de l'acheteur potentiel. Atualmente, os 2.000 megawatts que nós poderíamos fornecer, portanto, estarão a ser dissipados aqui, jusante da barragem. Donc, la consommation du Mozambique, c'est seulement presque 100 mégawatts. Disons qu'en Rabassa pourrait faire la fourniture de presque 20 pays comme le Mozambique. Le marché électrique dans l'Afrique, il s'appelle l'Afrique du Sud. Vraiment, l'Afrique du Sud a une puissance de consommation internelle de presque 30 000 mégawatts. C'est un pays qui a des graves problèmes de l'eau et toute sa production d'énergie, c'est une production en thermique à charbon. Il y a toujours un grand problème, c'est que comme l'Afrique du Sud, c'est le grand marché, donc l'Afrique du Sud, il a toujours une possibilité de dicter les prix qu'ils veulent payer. Ils ont aussi la possibilité d'empêcher tout redémarrage de l'exploitation. Le Mozambique, aidé par les Portugais qui sont toujours les propriétaires majoritaires du barrage, essaie de diversifier ses clients, notamment avec le Zimbabwe. Mais dans le même temps, l'Afrique du Sud fait des offres alléchantes au Zimbabwe pour qu'il achète son charbon. La puissance de l'Afrique du Sud lui donne des armes économiques redoutables pour s'imposer sur ses voisins. La richesse du géant régional est en effet équivalente à celle cumulée des 10 autres pays de l'Afrique australe. Sanctions and the experience of being isolated from the rest of the world makes for a degree of independence which in turn develops in people an arrogance that they are actually capable of being entirely self-dependent and that they don't need anybody else. And as far as South Africa itself is concerned, it has got a major role to play as the dominant economy in the region. But the word dominant should not apply to South Africa muscling out the other economies. It must work as it does in the EEC, with a degree of equality between the minor and the major members. I believe industry in this country is fully able to compete with South Africa. If they will have to compete in the same market, they'll be crowded out. So I think Zimbabwe must think twice before they welcome South Africa in a common market.
But having been colonized by a strong industrial country on your doorstep makes things very difficult. And the customs union does not help us to overcome that difficulty. On the other hand, we cannot ignore the industrial might and the monetary strength of a new South Africa in SADC. And I think these countries concerned will have to consider this very carefully, because it is a dangerous and a difficult aspect if one member country of a region so far outweighs the rest. The reason why countries are concerned about the development of South Africa economically and financially is because of the apartheid policy and because of the campaign of destabilization in which South Africa has been involved. Once there is a new government, a democratic government, which has actually been put into power by the resources of the frontline states, then that fear will disappear. We think it's important that a country like South Africa should not abuse this position. So I have a vision of Southern Africa and Africa getting out of its problems, getting out of its troubles, and starting to develop so that its people can have a better life. We stand ready, and we are already playing a very constructive role. But because of our own development problems, our own very high population growth rate, our own urbanization process, which is taking place, the financial resources, we don't have to do that much. Aujourd'hui, il y a des grands défis qui attendent toute l'Afrique. Défis de développement économique, défis pour se trouver une identité. L'Afrique du Sud est une grande puissance africaine. Son réveil d'aujourd'hui, de notre point de vue, ne peut être que salutaire pour l'ensemble du continent. Mais ce qu'il importe aujourd'hui, c'est qu'il y ait une volonté africaine qui s'affirme pour que les Africains eux-mêmes s'assument, offrent des alternatives. Et je le redis encore, seuls des régimes démocratiques en Afrique sont en mesure de créer une telle situation. Du nord au sud, si l'Afrique est démocratique, nous trouverons les moyens de nous entendre, de faire le partage et de nous mettre au travail. L'apartheid a une densité politique et économique qui le fera perdurer encore longtemps. Mais le fait raciste est d'abord culturel. Ce qui représente la pire des négations de l'homme peut se transformer en une richesse unique si l'Afrique du Sud réussit le dialogue des cultures. Un défi d'autant plus difficile à l'heure où l'on fait croire que l'affirmation des identités passe par le rejet de l'autre. C'est pourquoi les artistes et les intellectuels ne doivent pas manquer le rendez-vous qui construira la nouvelle personnalité sud-africaine. We've just begun to have contact with the rest of Africa. We know nothing, absolutely nothing about the rest of Africa. Someone who's interested in history subject. So for me, having a contact with the people from Africa, yeah, it can really help me to get history from them. Just to get history from the oppressors, yeah, because they are not going to give me, the real history of them. Yeah. So if we can get in contact with them, so it will be helpful. We can get real history. We are still now in South Africa, we're still in the battle of rewriting our own history books. Yeah. We were more than marginalized. We had no contact with our own continent. That was the curious thing. The only contacts we had, people went sometimes on scholarship, even during the time of cultural boycott. There was some contact only with Europe and with America. But we virtually had no contact with our own continent. And this is
a kind of cultural starvation because we have much to give each other. You know, there are many young white people who are identified with the future as blacks are. In other words, they don't want to live anymore the way that their parents lived. They know that survival, not just physical and material survival, but spiritual survival, doesn't lie that way. I can tackle any subject I want to without fearing, you understand? Fearing that the security police are going to be knocking on my door, okay? I can present my work anywhere, and I can think of the world as my stage. Okay, I no longer just think of South Africa, the township. I think about the whole of South Africa and the world. You know, my thinking has had to grow. It's not enough, right? Because I've been in repression, you understand? Yeah. But you see, now that the chains have loosened and have fallen off, I can now think big. And go beyond my blackness, you see. Stop fighting my blackness fights, but begin to fight as a human being. I am so happy, so very happy. I am the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. Le peuple noir d'Afrique du Sud n'est pas encore sorti d'Égypte. Il n'a pas encore passé la mer Rouge. En d'autres termes, toutes les réformes qui ont eu lieu jusqu'à maintenant n'ont pas encore réalisé la libération et la liberté politique. Mais la même image biblique nous rappelle qu'une fois que le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il a passé 40 ans dans le désert à essayer de se construire une nation, à essayer de vivre selon des lois nouvelles, les lois qu'il a reçues dans le désert. Et on n'en est pas encore là. Et les gens qui vont être libérés, qui vont avoir le droit de vote dans quelques mois, sont des gens qui ont été divisés et abîmés par l'apartheid, qui vont donc avoir à reconstruire leur humanité et leur identité nationale. Le plus dur reste à faire. My own vision is that of a country which is modeled and where all its people, black and white, can sit down in harmony and peace and be able to address and rebuild their country and to be able to say, let bygones be bygones. We have got a great country which is wealthy in the talent, in the caliber of its men and women of all races. Let's sit down and build this country.